Alpes au loin avec la neige. C'est des monts à 4000 qu'on voit déjà. Donc. C'est pas gavé de camping-car, hein. Ça va, je trouve. C'est beau. Alors là, on est dans le centre de Thunes. Attention, une voiture. T'as vu les petites maisons avec toi les... Ouais, et t'as vu, ils aiment la musique ici. Oh. Rond-point musique. Ah oui, rond-point musique. Ah, oh. Ouais. Et ben, le pont de Lucerne, ça ressemble un peu à ça. Magnifique. Ah, c'est beau Thunes. Wow. Très joli Thunes. Ah, là, tout est fermé, hein. Normal. 1er août. Bon, bah, le bus passe, donc tu devrais passer. Ouais. La marijuana. Regarde. Chop Thunes. On s'en fiche, nous, on fume pas. Hein. La couleur de l'eau, là, c'est, ben voilà, dans Chamonix, c'est pareil. Voilà. À chaque fois, on compare toujours à ce qu'on aime. Par contre, à Chamonix, tu verras pas ce genre d'architecture. Non, mais il y en a d'autres. C'est joli aussi. Là, c'est le lac de Thunes. Superbe. C'est magnifique, avec les Alpes au fond. Il y a un bateau vapeur. Bateau vapeur du lac de Thunes. Là, il y a un petit port. Tous les campings sont au taquet. Il n'y a pas une place de dispo. Ah, ouais. Un mètre carré disponible. On a décidé qu'on allait chercher un... Donc, on va à un dernier parking. On a vu un dernier là, sur Park Fortnite. Si celui-là, il ne fonctionne pas... On va dans la montagne, je sais pas, vers Gruyère ou Emmental. Et puis en tout cas, voilà, les lacs, on les aura vus. En fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir m'arrêter et me baigner dedans. Et puis après, à la limite, partir, même si on est dans la campagne, on dort pas au bord du lac, c'est pas grave. Mais j'avais quand même envie de mettre les pieds dans l'eau, quoi. Alors on va essayer, mais c'est vraiment pas garanti vu le peuple qu'il y a. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins on aura... Allez, nous voilà. C'est sûr, c'est bon. Tout est fermé. Allez, on y va. Nous voilà à Speeds. Donc on en avait marre de rouler, hein. On s'est arrêté. On est sur un parking un peu en haut là. C'est un front suisse de l'heure. Et puis là, on descend. Comme le panneau l'indique, vers la baignade. Super! Voilà. On s'est baigné ici. Elle est un peu frisquette, mais voilà, qu'est-ce que ça rafraîchit. C'est hyper bien. Hyper bien. Allez, on va vous montrer... Déjà, nous, on va les visiter, puis en même temps, on va vous montrer les rives d'ici, là. Voilà, peut-être qu'on va visiter la petite église, on ne sait pas. Il nous reste une heure de parc mat, donc hyper bien. Le lac de Thunes. Ça me fait penser à Roger Rabbit. Magnifique. Ah si, oui, je voulais vous montrer. La maison, les pieds dans l'eau avec le garage à bateau en dessous. Enfin, je vais essayer de faire un zoom. Top. Ah, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Allez, à tout à l'heure. Super beau. C'est vachement beau. Il y a des parapentistes. On voit les neiges éternelles au fond. On s'est baigné juste là. Et puis bah, ici, super, le petit pont de bois. Là. Nickel. Allez, on continue. Allez, on va aller voir l'embarcadère. Dans un petit camping, je crois que ça s'appelle Oberwild. On est entre Spietz et Gstaad. On a vu un panneau sur la route camping, donc on est venu voir, et puis il y avait de la place. Donc du coup, bah, nous voilà ici. C'est assez c'est beau, quoi. On est en pleine montagne. À mon avis, il va faire un peu froid cette nuit. Voilà, puis bah du coup...
Moi j'en profite pour goûter les produits locaux. La Feldschlossen originale en 5 décis. Parce qu'ici on parle en décilitres, on parle pas en centilitres. C'est pas une 50, c'est une 5 décis. Voilà, puis bah, tout le monde parle Schweizerdeutsch, de Suisse allemand. Je sais pas si vous voyez derrière, je vais vous montrer là, je vais faire des incrustes un petit peu pendant ce mini-discours. Voilà, alors il y a des jeux, les proprios sont hyper cool, hyper sympas, donc c'est pas mal. Vraiment chouette quoi. À mon avis, il y a des départs de randonnée. Je sais pas jusqu'à quelle heure on va rester demain, on verra. Allez, je vous dis à plus tard, à demain. Ciao. Allez, c'est encore la fête nationale, Suisse. Donc tout le monde fait péter des feux d'artifice. Hier soir, on a assisté à un festival au bord du lac de Neuchâtel. Et puis c'est toute la journée, quoi. On a eu des feux d'artifice toute la journée. T'es contente, Jeanne, de voir les feux d'artifice? Et toi, maman? Oui. Allez, c'est la nuit, on va se coucher. Je vais faire mon petit montage sur Neuchâtel.